Pardon? On ne fait pas mal, non? Oui. Oui. Pas mal. Oui. Et bon, voilà, donc c'est. L'origine est encore un peu mystérieuse, mais voilà, on a quand même une explication qui vient donc a priori des Lupercales romaines. Alors, c'est un peu compliqué, mais. Donc, c'était des fêtes annuelles célébrées en l'honneur de Lupercus, le dieu protecteur des troupeaux et des bergers. Et pendant ces fêtes, on chantait, on dansait, on organisait une loterie de l'amour. Alors, il s'agissait de tirer au hasard le nombre de filles et de garçons pour former des couples qui sortiraient ensemble tout le reste de l'année. Donc, en 496, le pape décide d'abolir les Lupercales et d'honorer la mémoire de Valentin et le déclare le patron des amoureux. Et il décrète que le 14 février sera le jour de l'année pour le fêter. Mais qui est Valentin? Alors, vous n'avez aucune idée, vous, non? Vous n'avez jamais entendu cette histoire, bon, tant mieux. C'est, ça vient en fait d'un prêtre italien martyrisé à Rome, il y a bien longtemps, au 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle. Voilà, un empereur romain, Claude II, avait de la difficulté à recruter des soldats pour les légions romaines. Les hommes préféraient rester aux côtés de leurs femmes et de leurs fiancées. Il a donc décidé d'interdire les mariages et les fiançailles sur tout le territoire. Mais les couples qui voulaient s'épouser devaient donc trouver quelqu'un pour les unir dans le secret. Et ils ont trouvé le prêtre Valentin qui a accepté de les unir malgré la décision de l'empereur d'interdire toute célébration telle que le mariage ou les fiançailles. Il a donc été emprisonné et décapité. Donc ça vient d'une histoire très triste, hein. On va voir. Et voilà, donc après on a quelques inspirations des billets doux. Voilà, donc ce seraient des lettres d'amour adressées secrètement pour charmer des personnes. On peut voir la citation de Louise-Marie de France, « Les regards sont les premiers billets doux des amants », ou de Georges Brassens, « L'encre des billets doux pâlit vite entre les feuillets des livres de cuisine ». Voilà, je vais vous laisser penser. Et voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose à. Une citation peut-être qui vous tient à cœur? Une inspiration? C'est tout. Pour la petite. Est-ce que vous célébrez, vous, la fête de la Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous faites à Saint-Valentin? Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui, peut-être? Je célébrais les fêtes avec mon mari et nous avons fait des cadeaux, nous avons félicité et nous avons allé manger dans un restaurant. Une chose, oui, oui, une chose simple, simple, mais tous les jours doit être le jour de l'amour, mais c'est une occasion pour le célébrer. Très bien.